Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci, merci à vous. Toutes ces personnes qui nous suivent de par le monde, vraiment, je suis un homme. Ça dit que je ne sais plus comment commencer l'émission. Je ne sais plus comment commencer l'émission parce que il y a une émotion qui me traverse. Vous savez, je suis né, hein, je suis né avec la musique de cette dame, de cette diva. J'ai grandi avec sa musique. Vous voyez, donc c'est la première fois pour moi d'être là, ça dit en face d'elle, elle est en train de chanter, sa voix rentre dans mes oreilles en direct, ça dit il n'y a pas radio, il n'y a pas télé, c'est direct, c'est en fa-fa, vous voyez un peu, non? Donc je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas comment vous expliquer. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre, merci à toutes ces personnes qui sont de par le monde, qui nous envoient des courriers, qui nous suivent, qui nous envoient des messages de soutien. Franchement, nous sommes très heureux. Vous êtes à l'émission fa-fa avec votre même serviteur, le Dinré. Tout à l'heure, vous avez écouté la voix de la mère, la maman de la musique ici en Côte d'Ivoire. 45 ans de carrière, ce n'est pas 45 heures, 45 jours, 45 semaines, 45 mois, non. C'est 45 ans de carrière. Et dans les 45 ans de carrière, comme nous on dit les jeunes, elle n'a jamais tapé poteau. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle a sorti quelque chose, ça a été un grand succès. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on peut taper notre poitrine pour dire que nous aussi, on a notre Tina Turner. Nous aussi, on a une grande diva dans notre musique ivoirienne. Maman, je me plie en quatre pour te dire bonjour. J'ai envie de te faire un atout, mais il y a le corona, donc je ne peux pas. Est-ce que tu veux dire ça? Ah, maman, c'est là, c'est calé. Sinon, il y en a. Hein? Non, merci beaucoup. Ouais, la même. Tu vois, c'est ça le premier blagueur, je ne voulais pas que lui pose les vraies questions. Ok. Alors, maman, comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Ça va très bien. Je rends grâce à Dieu. En tout cas, merci beaucoup de recevoir l'équipe Fafa chez toi, dans ton humble demeure. Franchement, nous sommes comblés. Parce que, voilà, on est en face de quelqu'un qui a bercé notre enfance, qui a même bercé l'adolescence de nos parents. Enfin, c'est ça qui est la vérité. Donc, franchement, nous sommes très, 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 très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Voilà. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, maman, avec ces temps de pluie, avec, comment on peut dire ça, l'actualité concernant le Covid-19 et tout, qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à tout ça? Je peux dire que c'est une tragédie qui arrive à la planète. Nous sommes tous concernés. Il y a eu Ebola quand j'étais en Guinée, Corona, virus. C'est une réalité, ça je le dis à qui veut l'entendre. C'est vrai, on peut. Les moyens d'hygiène qui nous sont recommandés, laver les mains au savon et tout, avoir son masque. Bon, et puis vraiment, ne pas se balader comme on l'entend et tout. Bon, le minimum de déplacement. Actuellement, l'actualité, c'est le corona. Mais ça va, on le prend avec. C'est aussi une autre puissance de Dieu. On prie et on espère que cette maladie aussi, ça n'ira comme Ebola. Okay. Merci maman. Je profite aussi pour saluer l'artiste chanteur Tchaga qui est parmi nous, qui est de l'autre côté. C'est pas son émission, donc on va pas l'appeler. Peut-être qu'après on va l'appeler pour qu'il salue ses fans qui nous regardent. Voilà, okay. On les salue de l'autre côté. Et voilà. Alors maman, aujourd'hui, quel bilan tu fais de ta carrière dans son ensemble? Je dois dire que mon bilan est positif. J'ai sillonné le monde. C'est une bonne expérience, une bonne école. Ce que je peux retenir, c'est merci à mes fans. Mes fans qui ont commencé avec moi, qui me soutiennent, même quand on me fait des critiques. Souvent, vous avez des fanatiques qui ne veulent pas qu'on vous critique. Tant bien que vous voyez que ce qu'on dit est vrai, il faut s'améliorer. Donc, infiniment merci à tout le monde
Mais le grand merci revient à Dieu parce qu'il est au centre de tout ce que j'entreprends, de toutes mes réussites. Il est avec moi dans mes épreuves et je m'en sors toujours bien. Je lui dis merci. Mon secret, c'est Dieu. Voilà, voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Alors, bon, tu te définis comme une artiste qui fait uniquement de la musique moderne ou de la musique, de la world music, comme on dit? Il faut me classer dans le style world music. D'accord. Et puis, j'ai commencé avec des professionnels comme Donkana Maïga, Manu Dibango, qui lui, c'est du jazz aussi quand tu l'écoutes, l'afrobeat. Donc, cette variation-là de maîtres que j'ai côtoyés, ça fait que dans tous les styles, je m'y sied à merveille. Ça a été pour moi une très bonne école. Et mon inspiration part quand même de la source mondaine. Je suis sur une fosse, c'est un rythme qui est beaucoup posé comme du jazz. Quand on écoute Wojuro ou bien Kanawa, c'est bon, on aura l'occasion d'en fredonner certains. Et puis le rythme mandingue, un peu la rumba, on peut parler d'une chanson comme Tiaga, qui m'a été offerte par Kumba, qui est la mère de Afro Keita. Elle est venue lui dire bonjour. Bon, elle est là. Bon, ces musiques-là, moi, beaucoup m'ont bercé et ça m'a beaucoup inspiré. Mais 8 ans passés en Guinée, ça a été encore une autre source. Vraiment, c'est... D'accord. C'est une école qui ne t'arrive pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, tu m'as tendu la perche, donc je vais profiter en même temps pour te demander de nous résumer ta carrière, c'est-à-dire de nous expliquer. Bon, je sais que si on veut rentrer dans tous les détails, on ne va pas quitter ici. Ouais. Mais maman Aïcha connaît comment tu as commencé, comment est-ce que ça s'est passé au fur et à mesure, juste en quelques mots pour les jeunes générations. Bon, il faut parler de la persévérance. Je tenais à être une chanteuse par admiration pour Myriam Makeba. Donc, j'aimais écouter Céline à la maison. J'ai été une fois avec mes sœurs assister à un de ses spectacles à l'actuelle gare de Bassam, là, qu'on appelle le Palais. Puis bon, ma mère m'a rappelé après, une fois, quand elle m'a vu à la télé, elle dit « Ah, faut pas prendre les paroles des enfants comme ça. » Elle a dit un jour qu'elle veut ressembler à Myriam, qu'elle veut être, elle veut commander comme cette dame-là. Et ma mère, ce jour-là, elle a dit « Mais pourquoi tu trouves que cette dame commande ?» Moi, quand je voyais Myriam pour la première fois, quand elle riait, le public riait, c'était dans la joie. Et quand elle chantait les chants nostalgiques de son pays, c'était... Elle était en communion parfaite avec son public. Et j'ai dit, ah, Adja, nebena ke komi musoni, mena commandé. Elle dit, mais commandé, ka commandé. Je dis, ima ewa, na yele la obe yele, na kasi la obe kasi. Donc pour moi c'était des ordres que Makeba donnait, voilà. Bon, c'était elle mon idole. Les débuts n'ont pas été faciles. Quand j'ai voulu me mettre dans la chanson, ma mère, c'était les chicotes. J'étais tout le temps obligée de me cacher dans la chambre de ma petite maman parce que mon père avait 3 épouses. Et la seconde, je m'entendais beaucoup avec elle, Adiama Sanogo. Donc j'allais toujours sous son lit quand on me cherche. Elle dit, ah, Aïcha, t'es un. Après, c'est elle qui me donne mon plat, je mange et je m'endors sous le lit là-bas. Après, mon père a dit, bon, il faut qu'on évite qu'elle fasse tout le temps des fugues
laissons-la faire, ça va lui passer. Laissons-la faire, là. Ça a été libération pour ma mère et puis pour moi-même. D'accord. Là, je me suis donné à la chanson. Quand j'ai été au DP, j'ai vu le grand frère Amédée Pierre qui m'a essayé, qui s'est mis au clavier. J'ai essayé Guantanamera. Il m'a dit que tu peux bien chanter. J'ai chanté Malaika. Il m'a dit samedi, viens à mon spectacle, je vais te présenter au public. Et comme je le dis, c'est le grand frère Amédée Pierre qui m'a présenté au public. Ce jour-là, le public m'a hué. Oh, ah bon? On veut pas ça. Moi, on veut danser. Bébé, c'est quoi ça là? On veut pas, descend. Ah, vraiment, Donc, Amédée, le grand frère m'a dit, oh, petit, c'est chante, du courage, chante. Et j'ai chanté Malaika. Tu peux avoir la gamme de Malaika. J'ai fait Malaika. Malaika. Nakupenda Malaika. Inge kuwa madiwe. Inge kuwa tata. Nashindwa na madi sinawe. Malaika. Le public dit. Hé, hey, descend. On sent Djaba descend. On ne veut pas, on ne veut pas. Et M. Benson, ce jour-là, était dans la salle. Il m'approche. Il dit, trouve-moi la télévision le lundi. Lundi, j'ai été voir ma cousine, Binta Diallo, qui est au sport là-bas, qui m'a fait monter au bureau de M. Georges Benson. Et on voit M. Benson, il dit, oui, c'est pourquoi. Je dis, c'est moi qui étais au dopé l'autre fois chez le grand frère Amédée. Et j'ai chanté. Il dit, oh, c'est toi, le public t'a eu là. Pourtant, ta voix n'est pas mal. Et il a fait appel à M. Bonkana Maïga, qui était à la télé. Il avait une équipe de 3 personnes, Solange Mondon, au piano, lui il faisait la flûte et puis Adou Apia à la basse. Il dit bon, Kana, il faut essayer cette petite. Et nous avons pris Guantanamera. Donc, Guantanamera, c'est quoi? En do ou en ré, je sais pas. C'était un homme en déroute. C'était un frère sans doute. Il n'avait ni lieu ni de place sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les plages. Il me parlait de sa vie. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Eh, hey, vraiment. Donc, Bonkana a dit, ça peut aller. Et moi, il y avait une émission ce jour-là, travailler fini, les samedis. J'ai fait le passage. Quand je suis arrivé à la maison, la chicotte était là qui m'attendait. Et ma mère dit, il est. Il ben en a qu'un bandit, les bandits. Hein? Mon dongri les va à l'année. C'était pas facile. Ma mère était très. Très en colère. Non, dure comme maman dure. Dans l'éducation parce que. Sévère. Elle, hein, je vais vous faire une anecdote. Quand mes amis venaient me voir, qu'elle les regardait, elle dit, hé! Hey, il est,
Et bonne sauter, une bonne sauter. Et t'es obligé, ça, tu ne prépares pas pour ta mère, quoi. Allez! Tu ne vas pas préparer rien. Vagabond. Allez, moi! Donc, quand mes copines me voyaient après, elles disaient, toi, ta maman, là, elle est méchante. Je dis, c'est pas ma mère. Elle est méchante. Moi, ah. C'est vous dire que ma mère était très, très, très. L'éducation, c'était pas. C'était pas facile. D'accord. Donc, après tout ce chapitre-là, comment maman Aïcha Kone se retrouve à enregistrer son premier album? Comment ça arrive? Quand mon père a dit à ma mère, bon, laissez, c'est des moments de caprice, ça va lui passer. Donc, j'ai été engagée avec l'orchestre de la RTI, Bonkana Maïga, où j'ai été choriste pendant 4 ans. Avec le doyen Manu Dibango, avec le doyen Rochereau, j'ai vu les Tamboulou, et il y avait Georges Benson qui était le directeur des programmes. Donc, voilà, j'ai été la première choriste au sein de l'orchestre qui a vu défiler pas mal de grands patrons. Et ça a été pour moi une des meilleures formations. C'est Bonkana qui a composé la musique de Denis Kelene. Et puis il m'a dit, Aïcha, tiens là, chante. Et j'ai, Domba. Et j'ai commencé. Donne-moi la gamme de Denis Kelene, mon Kila Kasi. Denis Kelene, mon Kila Ganesa. Ou bien. Kana kasi me diarbi, jambe ni dambali be. Kana dusu me diarbi, jambe ni bo kali be. Wohu zata zata tununa. Zatata la so, zatama yeba. Wohu wo zatatuna. Zatata la so, zatama yeba. Zata wala faniko, zatama yeba. Zatata ni karanke, zatama yeba. Zatata ni lepo, zatama yeba. Wohu wo. Merci. Donc, ça a été les premiers 45 tours de Aïcha. D'accord. Grâce à M. Bonkana Maïga. D'accord. Voilà. Donc, maman, moi je veux savoir un truc. On compose une musique quand tu remets. Comment l'inspiration te vient de et d'abord trouver le thème que tu vas aborder dans la chanson? Et comment cette inspiration par rapport aux paroles, la façon de chanter, comment ça te vient tout bon, ça? Bon, ça c'est un travail que je ne fais pas seul. C'est vrai, Adouma, je l'ai composé, elle est venue comme ça. J'écoutais une musique gospel et Adouma m'est venue. Da da da, da 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 da. Da, 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 da. Comme ça, j'ai retenu da 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 da. Et j'ai dit Adouma, allez fini Douma, allez Kouma Hélisa. Et puis bon, quand j'ai été voir Jimmy Hassan. La chanson est venue comme ça. Oui. Ça, c'est Jimmy Hassan. Oui.
C'est pas du jeu. Et donc, comme je disais, cela est venu dans un air. J'avais ma grossesse quand je portais Tiaga. J'étais dans une galère d'amour. Parce que entre le père de Tiaga et moi, c'était pas lui le problème, mais la belle famille qui ne m'aimait pas. J'en souffrais et ma mère me disait, tu ne peux pas épouser un homme si les sœurs ne t'aiment pas. Tu ne seras pas heureuse. En ce moment, tu étais déjà la méga star que tu étais. Hein? Pas la méga star, mais elle me dit, c'est les conseils de ma mère. Ma mère me dit, je comprends ce que tu traverses comme émotion. Mais tu ne pourras pas être heureuse dans ce foyer si les sœurs de l'homme avec qui tu vis ne t'aiment pas. Vraiment, je ne peux rien. Et ne t'aventure pas à aller voir un marabout pour dire qu'il va faire un travail. Parce que s'il dit, bon, pour que ce travail réussisse, il faut que j'éloigne ses sœurs de lui, tu n'auras pas le paradis de Dieu. Tu auras séparé une famille. Alors ça, encaisse ce que tu dois encaisser, supporte. Et comme c'était dur pour moi, c'est ce jour-là, je suis allée à Tekoube à Gamé voir Kumba. D'accord. Kumba Kouyaté, qui est celle qu'on appelle aujourd'hui Afu Keita. J'ai dit, Kumba, j'ai des problèmes. Henri, c'est difficile, ses parents m'aiment pas, le mariage sera difficile, ma mère même m'a découragée, elle dit de laisser tomber, qu'est-ce que je peux? C'est là Kumba m'a donné, Tiaga, elle m'a donné cette chanson qu'on appelle Tiaga. C'est-à-dire que Tiaga, il n'était même pas encore né, il avait déjà une chanson à son honneur. Hein? Quand Kumba a chanté, Maro Kasoro Wona Yabo, Wari Kasoro Wona. Kumba.
Maman Kumba, viens s'il te plaît. Madame Rita. Mesdames et messieurs, avant qu'elle ne commence à entonner, je vous présente Maman Kumba. C'est la mère, c'est la même, ça dit que c'est pas les ventes bizarres. Elle dans ce ventre-là est sortie à Fou Keïta, dans ce ventre, mais ça dit que non, c'est pas de l'amusement. Ça dit que c'est pas de l'amusement. Hein, c'est elle comme maman Aïcha Kone disait tout à l'heure, c'est elle qui lui a. C'est une histoire d'enfance. Elle connaît mon histoire. Quand elle partait chercher Afou dans son village paternel à Sédine. Voilà. J'étais avec elle dans l'avion, avec le père de Tianga. Et elle m'a donné cette chanson-là. Elle connaissait la douleur que je vivais. C'est pour ça que Dieu a fait qu'elle est là. Elle va vous dire le passage. Maroka sorobe yarabo. Sanuka sorobe yarabo. Femite yarabo le ding. Tiaga kela douale. Ça, c'est Kumba qui m'a donné ça. C'est une histoire de femme, de cœur. Hola, good day, Alala.
Allah, 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 monsieur, ce genre de moment, on l'a vu qu'une seule fois dans une vie. Vraiment. Donc, laissez-moi vraiment savourer ces moments-là. Hein, je n'ai même pas pu dire non. Je ne sais pas quoi dire. Je suis trop enjaillé. Je suis enjaillé. Alors, maman, on va sauter le pas. Et on va parler maintenant au moment précis où tu étais pleinement dans ta gloire. Voilà, où tu étais la superstar de Côte d'Ivoire et d'Afrique et dans le monde et tout. Voilà, nous autres qui sommes très très jeunes, on a appris qu'à l'époque, voilà, il y avait eu une sorte de clash, une sorte de clash entre toi et maman Reine Pélagie. Oh, ah, que c'était chaud à l'époque. Voilà, c'était chaud à l'époque et tu avais été même victime de certaines calomnies à l'époque. Voilà, pour dire que oui, que tu ne savais pas chanter, je que tout pas ça. Chanter, voilà, tout, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette, cette partie de l'histoire? Bon, il y avait paix à son âme, Paul Dupuis, et puis Tonton Bouba, qui avait organisé ça, et qui nous ont appelé, Pélagie et moi. Bon, les gars, on sait que vous avez chacune vos fans. Nous, on veut faire du buzz. Dire qu'il y a un duel. D'accord. Et voilà. On veut le monde, on veut le public. C'est ça le plus important pour moi. Donc nous sommes allés, on a fait le spectacle. Cela s'est bien passé. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Et après, l'article qui est sorti après, j'ai vu que
Bernard a eu à... C'était pas en ma faveur. D'accord. Oh, Aïcha n'est pas une bonne chanteuse, elle vaut rien. Donc, ça m'avait découragé. Et Fulgence Cassie est venue me voir à l'époque à Cocody. Il dit non, on est sa table, du courage. C'est, tu peux tomber sur le fa-fa de l'animateur qui n'aime pas ta gueule, qui peut te démonter, mais toi, ça ne doit pas te décourager. Je dis, ah, vraiment, l'article m'a cogné. Ça s'était passé, c'est un concert qui a été organisé comme une sorte de face-à-face. Et c'était, oui, où, c'était à l'hôtel Ivoire, c'était où ça? Oui, à l'Ivoire. D'accord, d'accord. Elle était même présente, Kumba, mon ami de toujours. Donc, après l'article qui est sorti, vraiment, n'était pas à mon avantage. Mais tes fans étaient satisfaits de la Ah, mais bien sûr. Et c'est ce qui a fait que M. Fulgence Cassie est venu me remonter le moral. M. Jos Benson aussi est venu, Aïcha. Puisque je suis quand même la fille de la télévision. On dit, Maïcha, tu es une chanteuse, hein? Un maître comme Bonkana ne peut pas nous dire de te garder si tu n'as pas les possibilités vocales et tout. Hein. Bon, c'était les mots aussi pour me donner du courage. Et pendant qu'on y était, le téléphone sonne. Monsieur Ben Soumaro, qui était le directeur de la télé, m'appelle. Aïcha, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis à la maison. Il dit, passe me voir. J'arrive au bureau, il dit, bon, je viens de recevoir un coup de fil du président de la République, au Fouette Boigny, qui dit que tu es l'enfant de son ami. Il n'a pas aimé l'article qui a parlé de toi, que tu n'es pas une bonne chanteuse. Bon, et que tes 10 ans, il va offrir le spectacle à la Côte d'Ivoire tout entière. Parce que lui, il veut que tout le monde te voit en train de chanter. Que toute la Côte d'Ivoire te voit, quoi. Et ce sera un direct pour la télévision et tout. C'est comme ça que mes 10 ans par le président Fouette ont été réalisés. Voilà, sinon Pélagie et moi, après, on a eu affaire à... C'est une amie, hein, c'est pas... Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait aucun problème entre vous. C'était juste pour c'était faire le buzz. C'était pour avoir du monde. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a été tous bien payés, mais au finish, c'est moi le résultat qui ne m'a pas arrangé. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça m'a connu. Et ça n'a pas plu au président, au fait. Il a dit, c'est ma fille. On ne peut pas lui parler comme ça, vraiment. Il a parlé, c'est le père qui défendait sa fille, quoi. Mais c'est la fille de mon ami, elle chante bien. Qui a dit qu'elle chante faux? C'est pas gentil et tout. Et voilà, mes 10 ans étaient organisés. Toute la Côte d'Ivoire était là. Et la salle est pleine à craquer. Quand il a fait venir une fleur, une rose de son jardin, avec l'ambassadeur Georges Wonien pour me dire le président dit qu'il t'offre cette fleur qu'il a lui-même cueillie dans son jardin pour te faire plaisir. Ouais. Ça m'a... Voilà. D'accord. Merci à Oufouet. Oui, vraiment. Est-ce que c'est après qu'il a organisé ce spectacle pour toi que tu as composé la chanson pour lui dire merci? Oui, oui. D'accord. Parce que... Vraiment, l'article m'avait découragé. Oufoué m'a prouvé sa paternité. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Tu comprends? Oufoué m'a montré qu'il est un espoir à moi. Il a été pour tant d'autres artistes. Mais... En cette période précise-là, à quel moment j'y ai, parce que je n'avais plus mon père qui vivait, ma mère ne vivait pas, il m'a rappelé beaucoup de choses.
Oufou m'a prouvé que je suis sa fille. Ça, je n'oublierai jamais, jamais. Je chanterai les chefs d'État partout où je passerai. Mais cette chanson-là, c'est aussi mon standard. Mon standard de reconnaissance. Je le dois au Fouet Boigny. D'accord. Vraiment. D'accord. Il m'a donné du courage. Il m'a permis de rebondir encore, de refaire surface. D'accord. Que alors, Dieu garde vraiment, son âme. Vraiment, vraiment, que Dieu ait son âme. Alors, maman, après la carrière d'école et tout, nous, on veut savoir exactement. C'est vrai que tu ne pourras pas citer les différentes circonstances dans lesquelles tu as eu beaucoup de récompenses. Mais quand tu fais la somme des récompenses que tu as eues, tu as combien de récompenses tout au long de ta carrière? Oh, au moins 47 trophées. Ah! Et plus bon, 2 disques d'or. Ah bon? Les débuts m'ont donné des disques d'or. Denis Kelly m'a donné disques d'or. À Douma avec Jimmy Yassin. Ces deux chansons-là, ce sont des standards qui se jouent tous c'est les des jours. Classiques. Des classiques. Dernièrement, on m'a envoyé un lien où j'ai vu un jeune artiste interpréter à Douma, instrumentalement. Bon, j'entends ça dans les bistrots, les halls des grands hôtels et tout. Bon. Oui, mais maman, est-ce que souvent quand tu es là et que tu regardes l'impact que ta musique a eu sur ce pays, parce que je sais que souvent, comme toi-même tu dis, on t'a envoyé un lien où il y a un jeune homme, peut-être même qui n'était même pas né à l'époque, qui interprète cette chanson, quand tu te retrouves dans des grands hôtels en Afrique, ou tu te retrouves dans de grands endroits en Afrique, et tu vois toutes ces personnes-là qui te venaient presque, et tes chansons qui jouent un peu partout. Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as eu sur on peut dire l'Afrique tout entière? Vous savez, plus je prends de l'âge, plus la sagesse m'habite. Quand je vois le monde dans les milieux qui me courent après, Isha, j'ai dit Seigneur, merci pour cette gloire. Parce que c'est à lui que tout revient. D'autres ont connu des gloires comme ça et n'existent plus. Donc, je demande toujours à Dieu de me faire marcher dans l'humilité. Mon souhait, quand j'aurai fini avec ce style de chant, je vais être chanteur, chanter l'Éternel et ses attributs. Mais est-ce que maman Aïcha est chrétienne? Parce que quand on dit chanteur, on pense déjà. Non, chanteur, c'est celui qui loue l'Éternel et ses attributs. D'accord. Moi, je loue, j'ai chanté coup de cœur où je loue le prophète Jésus, fils de notre mère Mariam, qu'on appelle Marie. J'aime bien l'histoire de Moïse, de Noé. C'est une école d'endurance, de souffrance, de croyance, de foi. Et ça fait que ça vous amène au pardon, à la sagesse, à la tolérance. Bon, je chanterai Dieu et ses attributs. D'accord. Ça c'est un scoop pour l'émission Fafa. Ouais. Voilà, c'est très important. Alors maman, avec toute cette carrière que tu as eue là, voilà, nous on pense que certainement tu es déclaré dans les grandes institutions au niveau de l'Europe, par exemple, genre à la SACEM, aussi à l'équivalent de la SACEM aux États-Unis, ou à un moment aussi tu étais au Brésil, tu dois percevoir des droits dans tous ces pays-là. Je suis membre de la SACEM, d'accord, comme du Bureba. Mais maintenant, dans ton Fafa, là, si tu veux venir parler des 100 000 francs. On va parler de ça, maman. Non, tu sais qu'on va parler de ça. Je ne parlerai pas de ça, parce que Turbus et moi, on a parlé. Il m'a dit de me calmer, vraiment.
Oui, mais... Fassi le Birida, laisse ça. Non, ça a été réglé, en fait. C'est pourquoi tu ne peux pas en parler. Ça a été réglé, vraiment. Mais ils t'ont vu comment, même vous avez ça. Ils t'ont vu en comment. Ça peut arriver. Non, non, pas. On dit, on vous a donné, c'était à combien? 500 millions, mais je ne sais pas combien pour donner aux artistes. On regarde bizarre, on va donner 100 000. Comment on peut donner 100 000 à maman Aïcha Poulou? Je ne comprends pas, maman. Là où donc, c'est, là, oui, c'est ça, on veut savoir. Je suis né avant toi. C'est le plan qui a fait que nous, on t'a admis au monde. Donc, oui, plan là, c'est petit dans notre plan. Le plan rentre dans notre plan. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, tu ça veux veut savoir dire... quoi encore? Non, non. En tout cas, on est dedans, maman. Parce que tu as répondu de façon sage. C'est-à-dire que le mot que tu as laissé, même ceux qui ne sont pas du milieu, ont dit que, ah, maman Aïcha, elle est sage. Et ce qu'elle a dit là, même si tu es, comme on dit en Côte d'Ivoire, quel que soit ton degré de je suis têtu ou je ne suis pas têtu, tout le monde était d'accord, tout le monde a fait ton palabre, comme on dit. Voilà, et puis on a appris c'est que, pour ça, on c'est a appris qu'il y a une enveloppe qui est venue après ça. C'est fait. Pour ça que je n'ai plus rien à dire. Uh-huh. Maintenant, ton fa, où ça va arriver là, c'est trop petit pour ça. D'accord, il n'y a pas de problème, maman, il n'y a pas de problème. Alors, maman, Tu as fait, à un moment, tu nous as beaucoup manqué. Voilà, tu as fait un long moment à l'étranger, en fait. Tu as passé un long moment à l'étranger. Voilà, nous, on a appris que, en réalité, tu n'étais pas, genre, allé faire du tourisme en tant que tel, mais tu étais en exil. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, vous savez, il y a eu la guerre. Mm-hmm. Nous, là, on n'est pas nés dans la guerre. On ne connaît pas. Mm-hmm. C'est pas dans nos mœurs. Mm-hmm. Et quand j'ai vu la guerre, comme on dit toujours, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mm-hmm. Ça nous est arrivé. Mm-hmm. J'étais... Peut-être que j'allais devenir folle. Mm-hmm. De peur, parce que j'étais traumatisée. Seulement qu'on va venir m'attaquer. Et je pleurais. Le lendemain matin, le téléphone a sonné, M. Keïta m'appelle de la Guinée-Conakry. Il dit, je vous appelle de la part de Papa Condé, votre neveu, vous allez venir en Guinée. Donc, c'est comme ça que je suis allé en Guinée. D'accord. Parce que mon neveu a fait venir un avion. Je suis parti avec tout le monde en Guinée. Je ne dis pas que j'ai été attaqué. Ça, non. Oui, parce qu'il y a aussi des rumeurs qui t'ont raconté par rapport à ça. Non. Tout ça. Quand, non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai jamais été attaqué. Mais j'ai eu peur parce que je n'ai jamais vécu la guerre. C'est comme ça que je me suis retrouvée en Guinée. Et en Guinée où j'étais, vraiment, j'ai gardé de bons rapports avec tout le monde. Jusqu'au jour où la première dame, Dominique Ouattara, je reçois un coup de fil. Aïcha, qu'est-ce que tu fais là? Je fais le Children of Africa. Je veux que tu viennes participer comme les autres artistes. Et c'est elle qui m'a fait rentrer. Ça fait le buzz. Oui, parce que d'autres disaient, est-ce qu'elle peut rentrer ici? Oui, est-ce qu'elle vrai, peut revenir? C'est vrai. Et Dominique Ouattara s'est mise au-dessus de tout ça. Elle m'a fait venir parce que c'est une dame que je connaissais quand elle n'était pas encore Madame Ouattara. D'accord. Oh, c'est qu'il y a longtemps ça. Ah, comme on le dit, il y en a des longtemps. Donc, je l'ai connue par mon frère Aboulaye Koné qui était marié à Massita Fadiga. Massita Fadiga est de la famille de Aboulaye Bamba, d'où c'est la même famille que Aboulaye Fadiga qui était à la BCAO et tout. C'est comme ça que cette dame-là, quand elle avait une réception chez elle, j'étais parmi ses invités, juste à ce qu'elle devienne Madame Ouattara, première dame actuelle de la Côte d'Ivoire. Donc quand elle a demandé à ce que je revienne, ça a fait, ça a pris le tour de l'Afrique. Oui, parce que Aïcha Poney revient. Mais ça, c'est Dieu
Et je le dis, je lui dirai toujours merci à Madame Dominique Ouattara. Nous, on a appris récemment que voilà, le président de la République, à titre personnel, a décidé d'octroyer une sorte de salaire, si on peut dire, aux artistes de l'ancienne génération, de 300 000 francs par mois pour chacun, pour que voilà, chacun puisse... Parce que parmi vous, il y a certains, ça ne va pas trop, en fait. Ouais. Voilà. Les jeunes d'aujourd'hui se posent la question de savoir comment un artiste de l'ancienne génération, c'est-à-dire nos mamans d'avant et nos papas d'avant, avec le pays qui était en paix, avec tout ce qui était comme facilité dans le pays, comment aujourd'hui on peut se retrouver à recevoir 300 000 francs seulement, hein, comme on dit seulement, ça dit par rapport à la carrière, 300 000 par rapport à la carrière que certains ont eu, 300 000 francs, c'est pas grand-chose. Donc les gens se posent des questions de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Il ne faut pas avoir 300 000 francs en seulement. Ça, c'est pas bien. Le fait même qu'on ait pensé à ça, parce qu'il n'y a pas que les chanteurs. Quand on dit aux artistes, il y a les peintres, il y a tout ce que tu peux imaginer qui englobe la culture. Si tous ceux-là, nous sommes des milliers, doivent toucher 300 000, c'est énorme. C'est énorme, franchement. Quelqu'un qui fait ce geste pour vous, il faut le lui reconnaître. Hein? Donc vraiment, je dis merci à tout le monde. Ce que j'attends de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, qui m'a toujours épaulé, c'est mes 45 ans que je compte vraiment célébrer après le départ de Corona. Alors, maman, moi j'ai une petite question, parce que moi, quand j'étais enfant, mon père aimait beaucoup jouer une de tes chansons, une chanson que tu avais faite avec Alpha Blondie. Voilà, le duo que vous avez fait, voilà, le très grand duo qui a traversé les époques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de cette chanson? Mary, c'est aussi une histoire, comme toujours. J'étais dans mes chagrins de cœur, et puis il m'appelle, ma soeur, you know, tu vois, j'ai un thème là, je veux vraiment que ce soit toi qui chante ça. Et il commence à chanter Mary. Je me sentais concernée. Il était en zone 4, là, vers Biétry, je crois. Et j'ai éclaté en sanglots. Bon, il m'a consolée et tout. Puis j'ai dit, oui, cette chanson, je la sens, je peux la chanter. Un peu de Miri, s'il vous plaît. Voilà. Toi, tu aimes la chanson, tu peux la chanter. Il fait d'avoir sa femme. Quand la tombe, même si on bêta, si l'on va de là. Quand la tombe, même si on bêta, si l'on va de là. Sangita de l'or fourreau, d'un seigneur la fourmina. O furuti se kabate, o haere mankan kasate, ikwa kiti muso fetu, idom kwa itami, akajuri kene bedima, kakwono no dim bedima, jombe so, ki afe kora tata, miri, miri, ça c'est Alpha même. Miri Alpha. Oui, Miri Demse Ouma. Yafa Bamsouma. Oma Laouri. Oma. Ouais. Après c'est moi, il y a déjà fou. Fa. Alors, mesdames et messieurs, voilà. Moi, je veux poser une question. Voilà, à quelqu'un, voilà, il veut pas qu'on le regarde, il veut pas qu'on le voit. Mais je vais le forcer à venir. Tiaga, tu peux venir s'il te plaît. Tiaga. Voilà, c'est lui, Tiaga. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de lui qu'il s'agit. Tiaga, c'est un artiste confirmé de Côte d'Ivoire qui a sorti des tubes. Lui, il fait tout. R&B, coupé, décalé, il fait tout. Et il a réussi à s'imposer sur l'échiquier musical ivoirien. Bon, cette année, il est un peu mieux, on sait pas pourquoi. Bon, ce que si on va faire son émission. C'est Corona. Voilà, on va lui demander. Voilà, alors,
Tiaga, moi j'étais juste fait venir pour te poser une seule question. Voilà, tu es né dans la musique, tu as baigné dans la musique, tu as grandi dans la musique, et aujourd'hui tu as eu toutes ces influences là et tu as eu le temps de voir ce que maman est en réalité en fait. Voilà, donc toi, quel regard tu portes sur elle par rapport à tout ça? Quel genre d'inspiration? Voilà, comment est-ce qu'elle t'inspire en fait? Comme j'aime le dire, c'est un professeur de vie qui t'apprend aussi bien le côté artistique que le côté relationnel. Parce que en tant qu'artiste, il faut savoir dissocier son côté artiste et son côté être humain. Et c'est une personne qui sait vraiment enseigner ça à l'homme, de par elle-même son parcours, de par ses expériences. C'est quelqu'un qui nous conseille beaucoup et c'est une source d'inspiration. Et j'essaie d'en tirer le meilleur parce que moi-même, j'ai la chance de la côtoyer. Donc, j'ai la chance de ne pas forcément avoir la nécessité d'aller vers les autres, mais de prendre en même temps chez le maître, je squatte sa maison. C'est important. Dernière question rapidement. Pourquoi tu n'as pas choisi d'aller dans son sens? Pourquoi tu n'as pas fait la musique qu'elle fait et tu as préféré? On sait bien, on dira que c'est la musique de ta génération et tout. Mais moi, je vais te poser la question à toi-même. Pourquoi tu as décidé d'aller différemment d'elle en fait? Différemment souvent d'elle. Souvent on fait des trucs. Parce qu'on fait des choses ensemble. En tant que journaliste, tu as dû suivre sa carrière et savoir qu'elle-même, quand elle a commencé, elle faisait de la musique urbaine. Tu as Messi. Merci. C'est avec du recul qu'on trouve ça rétro. Merci. C'est quelqu'un qui a évolué avec son temps. Bien sûr. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi. C'est super. Alors, Chaga, voilà mon beau. Tu sais, la couronne, on va bien se saluer. Maman. Alors maman, comme je disais tantôt, voilà, est-ce que tu peux nous dire ton mot de fin? Parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Ben. Faillamment parlant, j'étais très heureuse de vous recevoir ici. Et puis, merci à mes amis qui sont venus par surprise. J'étais très heureuse vraiment de l'arrivée de Kumba. Parce qu'elle, elle vit à Paris. Hein. C'est Corona. Elle est venue voir sa fille à Fou. Et puis, ça l'a bloquée. Donc, elle est venue me saluer. Donc, je lui dis merci. Merci à tout le monde, merci aux médias. Les médias, parce que ce sont les médias qui nous font, qui nous aident, comme des fois ils nous défont, mais c'est bon, parce que les critiques aident toujours. Mais merci à la Côte d'Ivoire et à la télévision ivoirienne hein, qui a lancé à Aïcha Kone, à M. Georges Benson, Ben Soumaoro, le ministre Laurent Donafologo, tous étaient là à mes débuts. Merci à l'Afrique tout entière. Merci à tous ces chefs d'État-là qui, vraiment, dernièrement, merci à la Guinée. La Guinée, pendant la crise, Nego Aïcha Barika. Aïcha Kone Barika. Merci. Barika Bonyana. Jonguna di gele baina la mande. Nsera jonema. Bala Musa wodende. Nsera jonema. Makura wodema. Allez, monsieur, vous pouvez enchaîner. Hein? Vous pouvez enchaîner. Nsera jonema. Alima Badema. Alors mesdames et messieurs, c'est sous cette guitare de mon tonton ici présent que je profite pour vous dire merci. Merci à tous. Merci de suivre l'émission Papa sur Ivoire TV Musique. Respectez les gestes barrières. Le corona est une réalité.
temps, s'il vous plaît. Maman Kouba. Mon enfant,